Qui n'a pas fredonné le tube planétaire Lost on You ? Son auteur, LP, sort un nouvel album, Heart to Mouth, un disque intense dans lequel la chanteuse pianote sur la palette des sentiments, du bonheur à la tristesse, du doux au pimenté. Gaspard Poirieux, Cécile Chabanneau et Régine Arnoux. Crinière brune et des allures de garçon, c'est en 2016 qu'on la découvre grâce à cette chanson. Deux ans après son tube planétaire Lost on You, Laura Pergolizzi, plus connue sous le nom de LP, confirme avec 12 titres qu'elle est un auteur-compositeur doué et qu'elle a aussi une voix. Un son pop puissant et des textes qui parlent d'elle et de ses déboires amoureux. Je parle de cette situation où la personne te quitte mais ne te laisse pas tranquille. Elle reste quand même dans ta vie et ne coupe pas totalement la relation. C'est très difficile alors d'aller de l'avant. Avant d'aller de l'avant et de chanter en solo, LP est longtemps restée dans l'ombre d'artistes célèbres. C'est elle en effet qui écrit certains tubes de Cher, Christina Aguilera ou encore Rihanna. Quand je compose, il faut que je puisse écouter le morceau encore et encore, sinon je sais que c'est pas bon, que ça fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est sa chanson N'oublie pas, un duo qu'elle a composé avec Mylène Farmer et que les deux artistes interprètent dans le nouvel album de la chanteuse franco-canadienne. À la fois forte et fragile, LP a su se faire un nom en solo et sa musique n'a pas fini de nous émouvoir. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, scène de ménage, puis votre série NCIS. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 12h45. Très bonne soirée à tous sur M6. Retrouvez l'actualité 24h sur 24 sur m6info.fr.